on commence. Choleka. Oui. Choleka. Allô? Allô? Allô, faut diminuer ma voix. Diminue ma voix. Allô? Allô? Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépite. Ah, mon Dieu, il y a accident d'appel. Accident d'appel. Accident d'appel. Allô? Oui, ça vous pose une question? Oui, c'est pour poser une question à Kodo. Je suis très, 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 très contente. Ma chérie, mets du volume dans ta voix. Ta voix est trop mince. Je suis très, 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 très contente, ma Kodo. Oui. Ah non, ma Kodo, non, c'est un rêve pour moi, là. C'est un rêve. Je vous aime trop, 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 ma Kodo. Merci, ma caviar. Ça vous pose une question? Vous êtes une deuxième mère, on va dire. Je suis vos conseils. Je suis très, 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 très. D'accord. Ça vous pose une question, ma chérie? J'en suis honorée. Vous posez question. Quoi parler, ma chérie? Oui, ma coach, moi, j'étais au pays. Oui. J'ai eu mon bac et tout. Je suis venue en Europe. Oui. Et j'avais un nouveau gosse là. Oui. Au début, je ne voulais pas de lui. C'est quand je suis venue en Europe, j'ai commencé à vouloir de lui. Il m'a montré des comportements que je ne connaissais pas de lui. Oui. Donc, il a changé de comportement avec moi. Donc, entre-temps, si c'était il y a 2 ans, mais je ne vous connaissais pas, j'allais mettre mon pied sur un caillou. Mmh. Donc, quand je suis arrivée en Europe ici, j'ai connu quelqu'un qui m'aimait vraiment beaucoup, qui était vraiment attentionné, mais je le recalais. Je m'éloignais de lui. Ma chérie, il faut essayer de résumer. Et puis, voilà, parce qu'il ne faut pas rentrer dans les détails, il y a trop d'appels. Mmh. Oui, donc je me suis mis avec ce caviar quelque temps après. Et il m'a dit que oui, qu'entre-temps, quand je faisais ma petite go, ma petite caviar, tout ça, il a eu quelqu'un en Afrique. Oui. Donc, il ne va pas se mentir qu'il m'aimait bien, mais il a eu quelqu'un d'autre. Donc, entre-temps, comme moi, j'aime bien les dangers, je me suis dit, OK, pourquoi pas si même il va peut-être oublier la fille là, comme il n'y a rien eu. Donc, les choses se sont passées, mais il n'arrive toujours pas à laisser la femme là. C'est pour vous dire, coach, en fait, c'est un étudiant, mais il est très, très caviar. Il m'offre tout avec les moyens qu'il a. Il ne m'a jamais dit non, il m'offre tout. Oui. C'est quoi ta question, ma chérie, s'il te plaît? C'est quoi ta question? Oui, ma question, c'est que je ne sais pas si je dois le laisser ou si je dois continuer parce qu'il ne peut vraiment pas laisser sa copine en Afrique. Il veut vraiment officialiser les choses, mais il me dit qu'il m'aime aussi. Donc, moi, je ne sais pas. Quand il est en Europe ici, il est très, très gentil, très caviar. Mais quand il va en Afrique, il me montre un côté yougos que je ne connaissais pas aussi. Tu as quel âge? J'ai 21 ans. D'accord. Bon, quand toi-même tu réalises la relation là, qu'est-ce que la relation peut t'apporter? Franchement, rien du tout. Franchement, pour le moment, rien du tout. D'accord. Rien du tout. Okay. Mais il me montre qu'il m'aime vraiment beaucoup. Il m'a vraiment apporté beaucoup d'attention. Très, très gentil. Il me montre qu'il ne m'aime pas pour mon corps parce qu'il ne s'est rien du tout passé entre lui et moi. Tu es vierge? Oui. Ah. Mais c'est quelqu'un de très, très croyant. Donc, il n'est pas dans les choses comme ça aussi. Donc, il me respecte vraiment beaucoup. Donc, parfois, je me dis qu'il m'aime vraiment beaucoup. Mais il est entre deux choix qu'il ne peut pas parce qu'il s'est engagé. D'accord, ma chérie. Ma chérie, j'ai déjà compris. J'ai compris. OK. Donc, tu es vierge. Tu es avec un homme depuis un moment. Et lui, il a une autre chérie en Afrique. Et il te dit qu'il ne peut pas laisser la chérie. Il vous aime, vous deux. Oui. Maintenant, tu me demandes si tu dois rester à lui ou tu ne dois pas rester à lui. C'est ça, ma chérie. Voilà, tu sais, ma chérie, moi, à faire où on est vierge, là, et puis on est dans une relation, là, ça, là, je ne maîtrise pas. Parce que si tu es vierge, que tu es dans une relation, ce n'est pas une relation. Oui. Donc, comme il ne t'a pas encore mougou, il faut rester à lui, il ne t'a pas encore consommé. Oh. Donc, tu peux rester à lui. Si il t'avait consommé, là, j'allais te dire, il faut gagner un temps. Parce que, à faire où on te dit, oui, en Afrique, on ne peut pas laisser. Toi aussi, on ne peut pas. Un homme qui t'aime, là, il ne peut pas dire ça. Un homme qui t'aime, là, il prend une décision. C'est ce que je me suis dit aussi. Voilà. Mon coach, parfois, il pleure même. Il attrape mes genoux. Il dit qu'il ne sait pas comment il fait parce qu'il l'a promis à la fin. Ma chérie, j'ai dit, un homme qui t'aime vraiment, là, il prend une décision. Donc, un homme qui n'arrive pas à décider entre vous deux, là, c'est que cet homme-là, il ne t'aime pas vraiment. Mais comme tu es vierge, c'est une histoire de vierge, il ne t'a pas encore consommé. Donc, si tu veux, tu peux continuer la relation. Sinon, ça là.
Ça là, c'est connerie, c'est ce qu'il entend et dit là. Tu as compris, ma chérie? Ah, donc là, il est en... Non, ma chérie, viens prendre un autre appel. Là, c'est trop long. Il y a beaucoup d'appels, s'il te plaît. Oui. Oui. Allô? Allô? Oui. Bonjour. Oui, ça peut poser question? Ok, faut parler, ma chérie. Faut diminuer ma voix. Hein. Il y a trop de bruit là. Diminue ma voix. Oui, écoute, mais il y a ma belle-mère qui est venue chez moi. Oui. Je lui ai donné les habits et à peine arrivée, quand je suis là, elle me défend. Coach, quand je sors, elle me suit donner à ma servante. Dire que je suis une mauvaise femme, c'est son enfant qui a envoyé l'argent pour que je fasse tout ça. Pourtant, même 5 francs, c'est notre argent du mois que le gars a donné. Mm-hmm. Et c'est avec ça, j'essaie de la faire plaisir. Coach, quand je suis pas là, elle m'insulte. Mais quand je suis là, elle me défend, elle me bénit bien. Je sais pas comment je vais me comporter avec elle. Elle est venue du village, coach. Mm-hmm. Son enfant n'est pas là actuellement avec nous. Je sais pas si vous... Il est où? Toujours de moi. Il est où? Il est où? Ton mari est où? Il est à l'étranger, on l'a fêté à l'étranger. Moi, j'étais rentrée en contact avec vous là. La Poutinabé en question, est-ce que vous vous rappelez de moi? Je t'ai coaché? Non, j'avais demandé une aide. Est-ce que vous, vous allez voir mon profil là? Vous vous rappelez de moi peut-être? Bon, tu sais, moi, les aides où c'est gratos là, je ne m'en rappelle pas. C'est les coachings, je m'en rappelle. Donc, je ne me rappelle pas trop de ton profil. Je vous ai dit que je ne travaille pas. Je suis étudiante, coach. C'est ça, il a dit là. Comme tu es étudiante, tu ne travailles pas. C'est pour ça qu'il a dit, je ne me rappelle pas de toi. Parce que tu n'es pas encore fructueuse. Eh oui. Ok, coach. Tu as compris les choses comme ça? Oui. Donc, ma chérie, c'est quoi ta question? C'est quoi ta question? Ma question, elle n'est pas encore partie. Donc, comme ça, moi, je suis direct. J'ai envie de la dire que ce n'est pas son enfant. Et puis, j'ai envie d'appeler ses filles. Chaque jour, quand je sors là, elle appelle ses filles qui sont mariées pour m'insulter les données. Pourtant, c'est même ses francs. Son enfant ne m'a pas donné. J'ai dit à l'étranger, comprends ça, tu vas t'occuper de ma maman. Même 5 francs, coach, c'est notre argent du mois. Moi-même, je dois me fâcher parce que tu es en train de bouffer dans notre argent. Mais malgré ça, je me comporte bien pour que quand je suis pas là, tu m'as donné à ma servante, coach. Oui, mais ma chérie, c'est quoi ta question? Comment est-ce que je dois me comporter avec elle? Je dois fermer l'œil sur ça ou bien je dois la dire la vérité vu que c'est ma belle-mère? Mais tu veux dire quelle vérité à ta belle-mère? Non, je veux la dire que c'est pas son enfant, c'est moi-même, je lui ai donné la vie là, au fait. Mais est-ce que c'est important? Mais j'ai peur que si elle part au village, elle va aller gâter mon nom. Mais ce qu'elle va aller dire au village là, toi, qu'est-ce que ça peut te faire, toi qui es en ville? Ah, mais ce sont les parents de mon mari, coach. Oui, mais ma chérie. Les autres, Mais ma chérie, oui. S'il te plaît, fais attention. S'il te plaît, fais attention. Tu as compris? Fais très attention. Parce que c'est ta belle-sœur, elle est chez toi. C'est ta belle-sœur, c'est ta belle-mère. C'est ma belle-mère, oui. Mais c'est ta belle-mère. Ta belle-mère, c'est qu'elle dit là. Si ta belle-mère te critique, bon, si toi on vient te rapporter là, est-ce que tu as besoin de dire à ta belle-mère, oui, c'est-à-dire que non, c'est ta belle-mère, faut laisser. En fait, c'est une hypocrite. Devant moi, elle me bénit. Je n'arrive pas à croire qu'elle m'insulte dans mon dos. Ma chérie, s'il te plaît, ça c'est rien ça. Ça, c'est rien. C'est une affaire de belle famille. C'est une affaire d'hypocrisie de belle famille. Ça, on connaît. Donc, si ta belle-mère devant toi, elle te montre qu'elle t'aime et puis derrière toi, elle te dénigre, c'est pas grave. Faut prendre ça comme ça. Faut regarder ça comme ça. Faut être une actrice dans ton foyer. Faut jouer la comédie dans ton foyer. Toi-même, tu sais qu'elle ne t'aime pas. Tu sais que ce qu'elle fait avec toi, là, c'est hypocrisie. Donc, toi aussi, tu deviens hypocrite. Quand elle est devant toi, tu lui montres tes dents jaunes. En temps, tu sais très bien que ta belle-mère, elle est hypocrite, qu'elle ne t'aime pas. C'est tout. Ok, mais je voulais pour lui expliquer ce qu'elle m'a fait. Ma chérie, faut laisser ça. Voilà, pour laquelle je t'ai contacté, je voulais pas faire un faux pas au coach. Oui. Mariage, même on est dedans, on veut gagner quelque chose. Le message, même, je vais prendre un coaching, coach, s'il te plaît à Dieu. D'accord. Ma chérie, ma chérie, c'est affaire de belle famille, il faut faire très attention. Si tu n'as pas envie de divorcer, que tu as envie de rester avec ton mari, et puis en plus, vous êtes encore en Afrique. Tu connais un peu la mentalité de nos beaux-parents là-bas. Donc, tu vas te lever, tu vas appeler ta belle-sœur pour lui dire, voilà ce que la maman dit. Lui, elle n'est pas mariée. Elle a quitté le papa de mon mari. Oui, mais ma chérie, ça là, c'est les détails. Oh. Ça là, c'est les détails. Sa vie sentimentale là-même, c'est autant d'abla pour coup, donc ça ne m'intéresse pas. Mais elle dit... Les épouses là n'ont pas de problème avec moi, c'est elle. Oui. Donc, ma chérie, il faut laisser affaire de belle-mère là. Tout ce qu'on vient te dire que ta belle-mère t'a dit là, faut écouter et puis faut rien dire. C'est ta belle-mère.
Pendant qu'elle est chez toi, il faut jouer la comédie. Il faut être une actrice. Quand elle va finir, elle va rentrer chez elle, c'est fini. Ta belle-mère, c'est qu'elle pense de toi, là, toi, ça peut te faire quoi? Faut pas t'occuper de ça. Faut pas t'occuper de ta belle-mère. Tu as compris ma caviar? Voilà, merci beaucoup, coach. Oui. Que Dieu te bénisse, 100 ans de protection sur terre. Oui, attendez, il y a bloqué ça. Je n'aime pas les mauvaises langues. Attendez, il y a bloqué ça, voilà. Bisous, ma chérie. Bisous. Oui, oui. Je n'aime pas, ça dit que je n'aime pas les mauvaises langues. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, là, dans notre émission d'aujourd'hui, là, il y a trop de mauvaises langues, il y a trop d'intrus. Voilà. Quand je dis à une personne, tu n'es pas fructueuse, là, ça, là, ceux qui me suivent, là, savent que, ça, là, je dis ça tous les jours. Maintenant, toi qui n'as pas l'habitude de me suivre, si tu es là que je dis à quelqu'un, tu n'es pas fructueuse, je ne me rappelle pas de toi, et puis ça te choque, tu vas me mettre des commentaires, bande de cons, je te bloque. Voilà. Les sales langues, les mauvaises langues, là, ça ne m'intéresse pas pendant ce direct-là. Le direct-là, c'est entre nous, les caviars. Donc, ceux qui ont l'habitude de me suivre, là, savent que ce que je dis, là, ce n'est pas méchant. C'est ma façon de m'exprimer. Voilà. Il y a qu'à voir un commentaire sur ça, je te bloque. Voilà, les intrus là, vous êtes trop versés aujourd'hui là, je ne sais pas qui vous a appelé ici. Allô? Oui, ça vous pose une question? Oui, pour vous poser une question. Oui, il faut parler ma chérie. Je vous invite parce qu'en fait, je suis en froid avec mon copain. Oui. En fait, ça fait un mois qu'il est parti de la maison et là, il est devenu grave froid. Mm-hmm. Il m'avait bloqué de partout, là, il m'a débloqué. Mm-hmm. Je m'ignore, je paie tous vos conseils, j'écoute tout. Oui. Sauf que, du coup, là, je sais plus quoi faire parce qu'en fait, la dernière fois qu'on a une conversation, il m'a demandé de lui ramener des petits plats. Mm-hmm. Sauf que, ben moi, je lui ai dit que je pouvais pas quand il pouvait. Je lui ai dit que ce sera en fin de semaine, quoi, parce que lui, il voulait que ce soit le soir même. Et du coup, sauf qu'on s'est embrouillé et là, je sais pas si je dois le recontacter pour lui préparer ses plats, quoi. Oui, mais ma chérie, c'est quoi la question, s'il te plaît? En gros, la question, c'est est-ce que je dois aller vers lui ou je dois le laisser tout seul? Faut le laisser. Quand il va se calmer, il va venir vers toi. D'accord? Je n'ai pas compris ton problème. Je ne sais pas trop c'est quoi. Mon problème, c'est qu'il est froid avec moi. À chaque fois que j'essaie de faire des efforts, il s'énerve. Oui, mais si à chaque fois que tu veux faire des efforts, il s'énerve, c'est que malgré tout ce que tu fais, il ne voit pas l'importance. Donc, s'il est dans son coin, il faut rester dans ton coin, il faut le laisser venir à toi. Il ne faut pas aller vers lui, ça ne sert à rien. Parce que tu n'es pas en tort. Tu ne vas pas aller t'excuser si tu n'as pas tort, ma chérie. Mais le problème, c'est que je suis en tort. Si tu es en tort, il faut aller t'excuser, ma chérie. D'accord? Oui. Ok, ma chérie. Merci. D'accord. Oui, oui. Allô? Allô? Oui, ça pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Mais ma chérie, de toute façon, ta voix est là. Il y a pris un autre appel, hein? Oui, oui, ma coach, je baisse la voix. Non, mais tu baisses pas, il faut augmenter. Ta voix est trop mince, là. Ok, ma coach. Oui. Allô? Allô? Oui, ça vous pose une question? Oui, ça vous pose une question. Bonjour, coach. Oui, il faut mettre du volume dans la voix, s'il vous plaît. D'accord, bonjour, coach. Oui. Oui, ça vous pose une question. Faut parler, ma chérie, parle. Oui. D'accord, je suis avec mon copain. Uh-huh. Ça fait 3 mois qu'on est ensemble, mais ça fait 1 an et demi qu'il me court après. Et ça fait 3 mois maintenant que j'ai accepté. Oui. Mais... Il n'est pas entreprenant, il ne cherche pas à me contacter, il ne m'envoie pas de message. Mm-hmm. Quand je l'appelle, il me dit qu'il est souvent avec ses amis. Mm-hmm. Et franchement, je ne sais pas. Et là, je devrais partir en voyage chez ma mère en Espagne. Oui. La veille de mon voyage, il n'a pas voulu venir me voir. Mm-hmm. Il a préféré aller regarder le match avec ses amis. Mm-hmm. Excusez-moi. Et donc voilà, je ne sais pas quoi faire, coach. Oui, mais qu'est-ce que tu lui reproches au juste? Mais parce qu'il n'est pas disponible, n'est jamais disponible pour moi. Il est tout le temps avec ses amis. Et il ne m'appelle pas. C'est moi qui l'appelle tout le temps. OK. Donc, quand je lui ai dit que je partais voir ma mère en Espagne, il n'est pas passé me voir. Et ça fait 2 semaines que je suis là. Il ne m'a même pas encore appelé. D'accord, ma chérie. Donc, si toi-même, tu comprends qu'il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas parce qu'un homme qui t'aime, il ne se comporte pas comme ça. Je l'aime, je tiens à lui. Ma chérie, oui. Tu tiens à lui, je sais. Mais je dis, l'homme, il ne t'aime pas.
Parce qu'un homme qui met 2 semaines, un homme avec qui tu sors, qui met 2 semaines sans t'appeler, un homme avec qui tu sors, qui préfère rester avec ses amis, qui pour lui, ses amis sont prioritaires, toi tu viens au second plan, cet homme-là il ne t'aime pas. Donc c'est vrai que tu tiens à lui, donc ce que tu vas faire, il faut que tu t'adaptes à lui. C'est-à-dire qu'il faut que tu te comportes comme lui il se comporte. Comme il ne t'appelle pas, tu ne vas pas l'appeler. Comme tu ne viens pas vers toi, tu ne vas pas vers lui. Voilà, c'est ce que tu dois faire. Le mois dernier, elle m'a pas fait de cadeau. Non, ma chérie, ça là, c'est pour développer ça. Il faut prendre une séance de coaching. D'accord. D'accord. Okay. Merci, ma chérie. Oui. Merci, au revoir. Oui. Allô? Allô? Oh là là, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Mon Dieu, mon Dieu. Il n'y a pas encore des histoires. Wolozo Azubagei. Allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, coach. D'accord, il faut mettre du volume dans la voix. On t'écoute, ma chérie. D'accord. En fait, je suis en Europe avec un mec qui m'a amené ici. Oui. Et en fait, au début, il était fructueux. Mais pour l'instant, ça ne marche plus. Et puis, il se comporte très mal. Ça fait 3 ans qu'on est dans la relation. Et il m'a dit il ne peut pas me présenter à sa famille parce que sa famille est très, très compliquée. Donc, du coup, j'ai mis mon pied sur un petit caillou qui est aux États-Unis. Et je ne sais pas si je dois me donner dans la relation ou pas. Avec alors, celui qui t'a fait venir ici, qu'est-ce que tu lui reproches? En fait, du fait que on a fait 3 ans ensemble et il ne veut pas me présenter à sa famille. Donc, je ne sais pas trop quoi faire, coach. D'accord. Maintenant, tu as mis ton pied sur un caillou, n'est-ce pas? Oui. Ok, donc c'est quoi ta question? En fait, je ne sais pas si je dois me donner plus avec celui des États-Unis. Je ne sais pas s'il est véridique avec tout ce qu'il me dit, qu'il me promet. J'ai peur peut-être de laisser celui-ci et après me retrouver dans, je ne sais pas, peut-être dans la merde après. D'accord. Déjà, celui qui est ici, le fait que vous... C'est lui qui t'a fait venir en France, n'est-ce pas? Oui. Ok. Donc, le fait que ça fait 3 ans vous êtes ensemble, le fait qu'il ne te présente pas à ses proches, là, ça sent un peu mauvais. Voilà, ça sent un peu mauvais. C'est pas normal. Un homme qui t'a fait venir en France, ça veut dire que c'est quelqu'un qui t'aime. Parce qu'un homme qui va te dépenser pour que tu quittes en Afrique pour venir en France, c'est une preuve d'amour, ma chérie. Tu comprends? Maintenant, le fait qu'il ne te présente pas à ses proches, ça, je sais pas qu'est-ce qui le bloque. Je sais pas c'est quoi le problème. Il faut vraiment en parler avec lui. Il faut vraiment communiquer avec lui pour qu'il te dise en fait le blocage, pour qu'il te dise ce qui se passe. Parce qu'il y a des familles qui sont un peu compliquées. Il y a des familles qui veulent par exemple que leur fils marie une cousine ou leur fils marie la fille d'une amie. Donc peut-être que la famille insiste sur ça et lui ne veut pas, c'est toi qui l'aimes. C'est ce qui fait qu'il n'arrive pas encore à te présenter à ses parents. Il faut essayer de communiquer avec lui pour qu'il te dise le problème exact. Je ne pense pas que c'est parce qu'il ne t'aime pas qu'il ne te présente pas à ses proches. Parce que quelqu'un qui a te fait venir en Europe, ma chérie, ça veut dire qu'il t'aime. On n'a qu'à se dire la vérité. Il n'y a pas une preuve d'amour qui est plus correcte, qui est plus vraie que ça là. Fais venir sa chérie de du bled là. Donc il faut parler avec lui. Maintenant tu as mis ton pied sur un caillou. Le caillou qui est aux États-Unis, bon, je ne peux pas savoir ses intentions. Je ne suis pas une marabout. Tu comprends ma chérie? Mais je te dis simplement, il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce que là tu es en train de te jeter dans une relation à distance. Toi tu es ici en France. Il est aux États-Unis. Ça, là, ça va être un mouvement. Bon, je ne sais pas. C'est qu'il faut essayer de voir. Sinon, moi, je préfère que tu te concentres sur ta relation d'ici, sur celui qui t'a fait venir. Essaye de parler avec lui. Essaye de communiquer avec lui pour savoir le vrai problème. C'est tout, ma chérie. D'accord. Sinon, à faire des relations à distance, là, pourquoi? D'accord. Tu as quitté dans pipi pour aller dans caca? Merci. Oui, ma chérie, oui. Allô? Allô? Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Oh, il y a accident d'appel, mon Dieu. Mon Dieu, accident d'appel. Oh là là, je ne peux même pas prendre d'appel là. Allô? Oh là 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 là. Les amours. Le téléphone crépite, ça crépite trop. Allô? Allô? Il faut mettre du volume dans la voix, s'il vous plaît, mes amours. Quand vous appelez, mettez du volume dans la voix, s'il vous plaît, pour rendre l'émission intéressante. Faut pas endormir, s'il vous plaît. Allô? Oui. Oui, bonjour. Allô?
Oh là 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 là, j'arrive pas à prendre les appels, mes amours. Il y a un bug. Allô? Allô? Oui, ça peut poser une question? Allô? Oui. Mais pourquoi ta voix est mince comme ça, ma chérie? J'ai dit ma coach. Oui. J'étais en relation avec quelqu'un. Faut mettre du volume dans la voix, s'il vous plaît. En fait, j'étais en relation avec quelqu'un. Mm-hmm. Et puis la personne, en fait, quand on est ensemble, chaque fois qu'on va à l'hôtel... Ma chérie, mets du volume, mets du volume, mets du volume. Sinon, je vais prendre un autre appel. Il faut, si tu as mis un écouteur, si tu as mis ton écouteur, enlève. Si tu as mis le haut-parleur, il faut enlever. S'il vous plaît, aidez-moi à ce que l'émission soit intéressante. Sinon, ce n'est pas bon. Allô? Non, ce n'est pas possible. Allô? Allô? Oui, ça peut poser question? Oui, coach, ça peut poser question. S'il vous plaît, mettez du volume dans votre voix, s'il vous plaît. Ok, coach. So, je suis en Europe. Oui. Je vis avec ma maman. Oui. Et franchement, vu la façon dont le copain de ma maman, parce que c'est pas son mari, mm-hmm. vu façon le gars il se comporte avec elle, en fait, j'ai mal au cœur. Oui, mais ma chérie, tu appelles pour toi ou tu appelles pour ta maman? Oui, j'appelle un peu pour moi aussi. Parce que donc, faut parler de toi. Faut parler de toi, s'il te plaît. Oui, vu ce qu'il lui fait là, moi, ça me fait peur, en fait, de m'approcher des hommes. Mm-hmm. J'ai des prétendants, mais bon, j'ai un peu peur de m'engager, quoi. Mm-hmm. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Je sais pas, j'ai la phobie des hommes maintenant, là. Je sais pas où mettre la tête. Ma chérie, si tu as la phobie des hommes par rapport à l'expérience que ta maman est en train de vivre, là, je peux rien faire parce que... Ça, c'est un autre problème. Ça, c'est un autre problème. C'est-à-dire que si tu étais dans une relation et qu'il y avait un problème, ou bien que c'est parce que tu avais reçu une déception, là, je pouvais peut-être t'aider. Mais là, comme c'est l'expérience de ta maman que tu regardes, puisque vous vivez ensemble avec son petit ami, là, je ne peux rien faire. Voilà, je ne peux rien faire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que celui qui avait ta maman, c'est pas tous les hommes. C'est lui qui est mauvais. Tous les hommes ne sont pas mauvais. Maintenant, si par rapport à lui... Tu as la phobie des hommes, ça va être très compliqué. Il va falloir que tu discutes vraiment avec ta maman, tu communiques avec ta maman pour qu'elle puisse t'enlever cette phobie-là. Sinon, moi, là, je ne peux rien faire, ma chérie. Je suis vraiment désolée. D'accord, coach. Merci. Oui, oui. Allô? 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 Oh là là. Allô? Oui, il faut diminuer ma voix, diminuer ma voix. D'accord, coach. Oui, il faut bien mettre la bouche sur le téléphone. Coach, je l'ai fait. Comment allez-vous? D'accord, oui. Allô, coach. Oui, parle mon homme Kavia, parle. Non, je suis un homme, je suis pas dire. Comment allez-vous, coach? Ça va, ça va, ça va. Faut parler, parle. Ok, coach, je vous appelle à propos d'un problème. Et le problème, c'est quoi? Oui. Actuellement, je vis aux États-Unis. Oui. C'est que j'ai ma petite amie en Afrique, dont nous avons fait presque 5 ensemble. C'est-à-dire, nous avons fait 2 ensemble. Mm-hmm. Et puis, j'ai quitté l'Afrique pour venir aux États-Unis pour mon master. Oui. Donc, quand j'ai fini le master, j'ai commencé à travailler dans une entreprise dans une entreprise de télécommunication, en fait. Mm-hmm. Et un an plus tard, le boss est décédé, c'est-à-dire le PDG de cette entreprise. Mm-hmm. Maintenant, sa femme qui résidait en France devait prendre la tête de l'entreprise. Elle est venue aux États-Unis. Oui. Et là, quand elle est arrivée, le problème s'est posé puisque la dame, elle est tombée fin de bois. Maintenant, la femme de ton patron? Oui, mais le patron est décédé au fait, coach. Ok, donc le patron, il est décédé, c'est sa femme qui est maintenant PDG. Voilà, sa femme est devenue PDG, elle est venue aux États-Unis. Oui. Voilà. Et quand elle est arrivée, la dame est tombée fin de bois, elle a commencé à me faire de la course. Mmh. Et jusqu'à un jour, un moment après le service, je devais rentrer à la maison. Oui. Et là, elle m'avait dit non, de l'attendre, puisqu'il y a un compte qu'on devait faire, que je vais l'attendre après, pour qu'on puisse faire le compte ensemble, jusqu'à quand les autres sont partis. Mm-hmm.
Sur coup, nous sommes restés jusqu'à dans son bureau à partir de 17h comme ça. La dame m'a avoué ses sentiments jusqu'à... Je l'ai mougou au bureau proche. Tu l'as mougou? Je l'ai mougou au bureau. Hein? Oui, sans te mentir. Maintenant, depuis ce jour que j'ai mougou la dame, c'est une Française au fait, mais son mari qui est décédé était américain. Ton histoire est intéressante, attends mon caviar. Donc ça veut dire que le monsieur, c'était un Français qui est décédé. Et c'était un Américain. Et la femme, son épouse, elle est Française. Elle est Française. Donc, elle t'a invité dans son bureau. Et là-bas, elle t'a avoué ses sentiments. Et elle fut mougou. Sur coup, moi aussi, je l'ai mougou au bureau. Oui. Depuis que j'ai fait sa course, je n'ai plus la paix du cœur. Où j'étais logé, même la femme, j'étais logé dans, comment dirais-je, dans un studio, dans un quartier, mais la femme, elle est allée prendre un appartement où elle m'a déménagé, c'est-à-dire un appartement de deux chambres salon, un bel appartement dans un quartier sic, où je suis, deux fois après le service, elle vient avec moi, c'est-à-dire le week-end, le samedi, dimanche, on peut passer la journée, deux fois elle passe la nuit chez moi. Vous voyez, tandis que c'est ma patronne. Et moi, j'ai ma petite amie dont je préparais la fin d'année pour rentrer pour le mariage. Mais déjà là, ça devient un peu compliqué puisque je ne manque de rien du tout. Où je suis, je ne paye pas l'appartement. Oui. J'ai mon salaire. En plus de ça, elle fait tout pour moi, l'habillement et tout. Vous voyez, coche? Oui. Et grâce à elle, j'ai commencé à sortir avec elle. Ça vaut maintenant une année. Et grâce à elle, j'ai commencé à construire au pays. Ah, elle est fructueuse, oui, 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 oui. Oui, 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 mon caviar, tu es tranchant, oui. Ma petite amie, nous avons fait presque 5 ans ensemble, elle est en Afrique, elle m'attend. J'ai été son premier homme à la dévierger, excusez-moi du terme. Faut parler, c'est... moi-même, ce qu'elle dit là, c'est dévierger là qui est quoi? Oui, parle. Voilà, c'est une fille que j'aime énormément et qu'elle m'aime aussi. Je porte beaucoup de confiance à elle, vous voyez, coche. Elle est là et m'attend, nous sommes sur les préparatifs. Je dois rentrer à la fin de cette année pour le mariage. Oui, 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 mais c'est quoi la question? C'est quoi la question? La question, coche, je ne sais pas, je suis dans l'embarras du choix. Si je vais pour le mariage, la patronne saura et vous voyez, je ne vais plus profiter de ce qu'elle fait pour moi. Elle a quel âge? La femme, elle a 40 ans et moi, j'ai 33 ans. Ok, donc aujourd'hui, la question que tu me poses, c'est quoi? La question, c'est de savoir, est-ce que je peux laisser la patronne aller marier ma petite amie pour la faire venir aux États-Unis? Parce que quand la patronne sera au courant, et quand elle sera au courant que je me suis marié, je risque d'avoir des problèmes, je risque de quitter même le boulot. Et l'appartement qu'elle a acheté pour moi, tu vois, je risque de quitter, tu vois, coche. Mon frère. Oui, coche. Tu es d'une famille riche ou mais d'une famille pauvre? Une famille noble. Une famille noble, ça veut dire quoi? Une famille modeste, au fait. Ah, une famille modeste. Bon, moi c'est-à-dire que c'est ce que je ne comprends pas, quoi. Il y a un truc que je ne comprends pas. C'est-à-dire que quand tu es là comme ça, et puis la bénédiction vient à toi. Quand tu es là, puis Dieu dit, tiens, mon fils, tu seras béni. Tu es aux États-Unis depuis... Tu te cherches, tu as les petits jetons, tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu vivais dans une petite chambre lugubre quelque part. Ou quand tu marches, les voisins te disent, fais attention. Bon, voilà maintenant ton patron qui mourut. C'est ça, mourut? Oui. Ton patron qui mourut et la femme qui décida de s'installer aux États-Unis et qui te voya et qui tomba faim. Bon, dans le bureau, elle fit mougou. Et elle aimait le mougouli. Tu as voyagé à son bas-ventre. Et à la Zemmougou, ça, toujours Zemmougou, parce c'est ça aussi le problème. Après le bureau, elle me prend dans la voiture, c'est à la maison, c'est pour moi. Oui. Oui. Tu fais combien de minutes? Mougou, Kosh, vraiment Zemmougou, bien, parce que mon bas ventre, ça peut mesurer 24 cm ou 26. Wouh! 26 cm! Oui. Mon frère, tu es un cheval? Mais je comprends pourquoi la femme t'a acheté une maison. 26 cm ou 27 cm, mon frère, c'est un arbre, c'est un troisième pied que tu as. Donc, voilà, tu vois. C'est-à-dire que dans la vie, Dieu nous donne quelque chose pour s'en sortir. Toi, c'est ton bas-ventre. Hein? 27 cm, 26 cm, mon frère. Tu as du potentiel là, devant toi.
Bon, moi, ce que je vais te dire une chose, c'est-à-dire que, bon, c'est vrai que celle qui est en Afrique, bon, c'est ta petite amie de galère. Voilà. Oui. Bon, tu as promis la marier, mais bon, imagine un peu, tu vas aller la chercher en Afrique, elle va te rejoindre aux États-Unis. Imagine un peu, un an, deux ans après, ça ne va pas entre vous. Elle te quitte. C'est pas ce qui n'est jamais arrivé. Oui, oui. Ah, voilà. Parce que, donc, pourquoi prendre un tel risque? Pourquoi prendre un tel risque? C'est pas mieux, tu as laissé la femme milliardaire de 40 ans. Tu as 33 ans, elle a 40 ans. Vous êtes de la même génération. Et oui, puis, oui, voilà. Mais quand ce, vous devez savoir que je suis un chrétien, j'ai tenu une promesse et je dois respecter la promesse au fait, quoi. La fille, je l'ai promis que je ne vais jamais la quitter. Mon frère, attention, attention, ne joue pas avec mes sentiments. Tu dis tu es un chrétien, puis tu allais rentrer dans le bavon de la femme de ton patron. Oui, mais c'est ce que je ne comprends pas. Tu dis tu es un chrétien, tu as promis. Mais quand on est chrétien, puis on sait qu'on tient à ces promesses-là, on ne va pas prendre ces risques-là. Tu allais dans le bavon de la femme-là, ça fait au moins 20 fois tu l'as mouru. Elle a pris maison, tu es dedans. Et puis tu dis, je suis chrétien. Est-ce que là où tu es là, on parle encore de chrétienté? Là, on est en train de te parler de ton avenir, de ta vie. Là, non, ici, c'est problème de Mougouli maintenant, coche. Ça veut dire quoi? Non, on ne parle plus de chrétienté, puisque je n'ai pas encore respecté ma promesse. Mais la promesse, c'est que je la tiens beaucoup au cœur et je l'ai dit que je vais la marier. Bon, mon frère, on dirait que, bon, tu sais, moi, c'est ce que je dis toujours. Hein, je dis... Quand Dieu même veut te visiter, c'est-à-dire que quand Dieu veut t'emmener un bonheur, il y a des gens, ils ne sont pas nés pour vivre le bonheur. Peut-être que tu en fais partie. Donc, comme toi, tu es né pour souffrir, pour travailler, gagner un peu d'argent par mois, et puis à la fin, même pas le 10, le 15, tu as découvert, comme c'est la vie là qui t'arrange, il faut aller marier la petite fille qui est en Afrique là. Elle va te rejoindre aux États-Unis, vous allez vivre votre petite vie. Donc, il faut laisser la femme là. Puisque je te parle ici, tu me mets là. Je te dis ça, tu me mets là. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux? Maintenant, beaucoup de cœurs sont en train de me signaler. L'image est devenue noire, mes amours. Coach, je vais prendre un coaching privé. Il faut prendre un coaching privé. Par exemple, ton histoire, là, la friture qu'il y a dans ton histoire. Là. Toi-même, tu disais que tu vas prendre coaching privé. Tu rentres en contact avec mon assistante. Tu fais assistance avec CE à la fin. Non, il faut écrire, hein, mon frère. Parce que où tu es là, il ne faut pas penser que tu vas passer devant moi. Hein. Vraiment, sinon c'est pas la peine, ça risque d'être un problème. Pour oui, parce que tu sais que où tu es là, tu vas pas m'échapper. Donc, prends adresse de l'assistante. Écris assistance CE à la fin. Oui. Amonchik. Oui. Arrobase, oui. Gmail.com. D'accord, coach. Oui, il faut prendre séance de coaching. J'ai besoin, il faut que je te secoue un peu là, tu es trop mou. Vraiment, quoi, sinon, oui. C'est pas possible. Oui, tu es trop mou. Tu as besoin d'un peu d'électrochoc là dans ton corps. Et Kosh, désolé encore, c'est qui me plaît pas aussi. Non, mon frère, on va faire ça dans le coaching. D'accord. Oui, tu es fructueux, mais je me limite. Oui. Allô. Oh là. Allô. Oui, ça vous pose une question. Allô? Oui. Oui, ça vous pose une question, coach. Oui, ma chérie, ta voix est trop mince là. Faut mettre du volume, hein, sinon je vais prendre notre appel. Bonjour, maman Chic. Oui. Oui. Parle, ma chérie, parle. Oui, faut parler, oui. Parle. Coach, le week-end dernier, j'étais avec mon chéri là. Quel chéri ça? Mon mari. Ah, mais ma chérie, tu es mariée, je ne te connais pas. Ou bien je te connais, il n'a même pas le profil là. D'accord. Ah, je ne sais même pas, peut-être que c'est l'une de mes filles qui est en train de m'appeler, je ne sais même pas. Attends, il y a voir le profil. Attends. Oui, c'est l'une de vos filles, maman Chic. Attends, il y a voir le profil là. D'accord. Ah, ma fille, oui, parle, ma fille, parle, oui, parle. Faut parler, ma fille, parle. Maman Chic. Oui. Parle. Voilà, je suis avec un homme depuis une année. Oui. Ma chérie, faut parler, parle, pardon. Voilà, je disais, je suis avec mon chéri depuis une année. Oui. On a fait nos fiançages, on a fait le mariage coutumière. Mm-hmm.
Voilà, maintenant, le week-end dernier, on est parti faire une petite visite et au retour, il conduisait et moi, je tenais son téléphone. Oui. Et quand je tenais son téléphone, le message d'une fille a atterri dans le téléphone. Oui. Donc, par curiosité, j'ai ouvert le message et j'ai vu que c'est une nana qui drague un peu. Elle travaillait avec lui. Après, elle veut s'accrocher, un truc comme ça. Oui. Donc, quand on est rentré le soir, j'ai commencé à faire une tête. Je me prenais un peu la tête. Voilà. Je lui disais pourquoi il attend de draguer une fille et tout et tout. Mm-hmm. Il me dit qu'il s'est bien moqué de moi et à la fin, il me dit qu'une femme de ton statut là aussi fait jalousie à cause de petits dragages comme ça. Mm-hmm. Que quand même tu es allé ouvrir ONG, tu dis que tu veux aider les gens. Maintenant, moi, je suis en train de faire petit truc pour arranger un peu la fille aussi et puis gagner quelque chose là. Toi, tu es en train de faire jalousie. Donc, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que ton chéri, il veut blesser la fille. Un truc comme ça. Maintenant, moi, ma question, je veux savoir, est-ce qu'il y a une statue pour une femme pour que tu ne tiens plus compte des jaloux, des tromperies de ton mari, en fait? Il n'y a pas de statue. Aïe, même femme présidente. Je dis que même Angela Merkel, mm-hmm. si son mari le trompe, elle l'a vu, elle va faire de ça un problème. Ben oui. Même Michelle Obama, si elle voit un message dans le téléphone de son mari, elle fait jalousie. Il n'y a pas à faire de statut, il n'y a pas à faire de niveau. C'est parce que moi, je suis de mauvaise recul, parce qu'une femme de mon statut mm-hmm. qui aide les gens, même qui ouvre un ONG, qui dit qu'il veut aider les jeunes filles, maintenant lui trompe un peu avec une petite fille dans le but que la fille puisse avoir un peu quelque chose. Et puis moi, je viens me plaindre là, c'est que je ne suis pas bien, de n'a qu'à abandonner toutes les œuvres caritatives que je fais là. Attends, ton chéri, là, il est sur quelle planète? C'est ça mon problème même. Mais il a une mentalité, mais je ne sais pas c'est quoi cette mentalité-là. Tu as vu le message d'une femme dans le téléphone, là. Oui, oui. Ça a quoi à voir avec tes œuvres caritatives? Ça a quoi à voir? C'est ça, je ne comprends pas, là. Ah, donc, ça veut dire que lui t'a dit, pourquoi tu ne veux pas le laisser te tromper? Oui, oui. Mmh. C'est petit truc, c'est pour que la fille aussi gagne un petit truc. La fille gagne un petit truc, ça veut dire quoi? C'est pour qu'il donne un peu de sous à la fille d'aller se gérer, quoi. Donc, moi, je ne devais pas faire de ça un problème. Donc, ça veut dire que lui... Attends, moi, je ne comprends pas. Donc, il est en train de t'imposer la polygamie, quoi. Ce qui ne va jamais marcher parce qu'il connaît mon point sensible. Ton point sensible, c'est quoi? Je déteste la polygamie. Ah, d'accord. Mais bon, je comprends... Ton histoire, là, je ne comprends pas. Franchement... Ma fille, ton histoire là, je ne comprends pas. Ton homme là, il n'est pas assez clair là. Et puis, il dit des choses qui n'ont pas de sens. Vraiment, ça n'a pas de sens. Il dit des choses qui n'ont pas de sens, quoi. Ton histoire est trop carabinée, c'est trop rocambolesque. Donc, je n'arrive pas. Même pas, j'ai dit, je vais venir poser question pour voir. Ah, ton histoire est rocambolesque. Je n'arrive pas à me situer, je n'arrive pas à vraiment comprendre, quoi. Parce que un homme qui te dit oui, mais je te trompe. Oui, mais toi, pourquoi tu es ingrate comme ça? Pourquoi tu es égoïste oui. comme ça? Moi, je te trompe. Au lieu de laisser la petite fille, là, elle va gagner un peu dans moi. Je te donne l'argent. Il faut laisser, j'ai donné aussi à la petite fille. Pourquoi tu te plains? Hein? Tu dis que tu as une œuvre caritative, tu aides les jeunes filles. Mais si tu aides les jeunes filles, moi, je suis en train de sortir à une petite fille. Je suis en train de l'aider financièrement. Tu ne devais pas t'en plaindre. C'est ce qu'il veut dire. Oui, oui. Mais lui, pense que œuvre caritative que tu fais là, ça veut dire quoi? Ça n'a pas de rapport avec on est venu pour construire maison sur ma maison. Ça veut dire quand même là, ce qu'il est en train de dire là, mais c'est un malot ce monsieur-là. Il est très malot. Il est très malot. Moi je te dis fais attention, hein. Il est très très très. Et puis là, il a des raisonnements très très archaïques, autant d'abla beaucoup. Fais très attention. Il est fructueux. Il est fruité un peu, coach. Un peu seulement ou même beaucoup? Un peu beaucoup. Ma chérie. Ma chérie, tu n'es pas claire. Ma fille, tu n'es pas claire, ma chérie. C'est le même futur, là? Non, lui, il est trop futur. Lui, là, c'est un petit futur. Ah, c'est pas l'autre, là? Non. Il y a cru que c'était ton ex, là. Bon, il y a cru que tu avais repris hein, ton ex, là. Donc, c'est un autre. Il a un peu. Il a un peu, mais pas beaucoup, beaucoup. Bon, ma chérie, ton histoire est trop carambine. Mais franchement, pour te dire, il faut que toi, moi, on parle après, ma petite. D'accord? D'accord. Il faut qu'on parle après. Ton histoire est trop carabinée. Merci, maman.
Oui, oui, c'est un malade mental, ce monsieur-là. Il est sur quelle planète? Toi, tu trompes ta chérie et puis tu lui dis, oui, pourquoi tu te plains? Je vais partager aussi avec une autre femme. Déjà, mais tu n'as pas beaucoup, tu veux partager quoi? C'est quoi cette mentalité rétrograde? Allô? Allô? Oui, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Oui, faut parler, ma chérie, parle. Oui, excuse-moi, ma coach, je connais un mec, je le connais à travers ma sœur. Et avec le mec, ça fait 2 ans de relation d'amitié. Et on se voyait beaucoup, on se faisait des cadeaux. Et au moment, il y a eu des rapprochements. Au moment où j'ai commencé à m'attacher à lui, et le mec m'a dit qu'il s'est remis avec sa femme. Et j'étais blessée. Et du coup, le mec m'envoie un message, oh non, je veux qu'on garde l'amitié, mais je tiens beaucoup à notre relation, si je peux te parler en face. Il insiste de me voir en face et pourtant on a déjà parlé au téléphone. Est-ce que je dois le voir en face pour parler avec lui ou je laisse comme ça, je réponds pas à ses messages? Ma chérie, ce que tu es en train de me dire, ça veut dire que tu sors avec un homme qui était en séparation avec sa femme? Oui. Ok. Sa copine, disons, ils ont un enfant. Oui. Sa copine, c'est pas sa femme, sa copine. Oui, sa copine. Ok, ouais. Donc quand il s'est mis avec toi, il allait reprendre avec son ex. Oui, au moment, il m'a pas dit qu'on était en couple, mais on se voyait beaucoup, on se faisait des cadeaux, et on restait souvent au téléphone jusqu'à... Ma chérie, matin. Tu sortais avec lui ou pas? Non, j'étais un ami avec. C'est juste un ami? Oui, et il m'a dit qu'au moment où il m'a dit qu'il s'est remis avec sa femme. Ma chérie, s'il te plaît, il faut me faciliter les choses. C'est ton petit ami ou c'est ton ami? C'est mon ami. Ok, c'est ton ami qui a repris avec son ex. Maintenant, c'est quoi ton problème? Oui, mais je commence à être attachée avec lui, ma coach. Je commence, et lui aussi m'a dit pareil, je l'assure en fait. Il dit tu l'attires, toi aussi il t'attire, mais c'est ton ami, oui. Il a repris avec sa femme. Oui, c'est mon ami. Il a repris avec sa femme, maintenant toi tu dis quoi? Tu dis tu veux plus de lui, enfin, est-ce que c'est ton petit ami? Non, c'est pas mon petit ami, mais... Bon, ouais, franchement... À lui et... Ma chérie, allô? Ma chérie, oui. Ton histoire est trop bizarre, franchement, parce que c'est un ami qui était en froid avec sa petite amie. Il a repris avec elle. Oui. Voilà, maintenant toi, ça te fait mal parce que tu ressentais quelque chose pour lui. Et aujourd'hui, il dit qu'il veut te voir, il veut que vous gardez votre amitié. Mais toi, tu ne veux plus garder l'amitié parce que ce n'était plus ton ami, tu ressentais quelque chose pour lui. Donc la vie, c'est un choix. Tu sais qu'il est avec sa petite amie. Si toi, tu peux supporter le fait qu'il soit avec sa petite amie, tu vas l'écouter. Maintenant, si tu ne peux pas supporter, tu ne vas pas l'écouter parce qu'il ne va pas quitter sa petite amie. Ouais. Donc la vie c'est un choix ma chérie, d'accord? Oui, d'accord. Oui. Allô? Oh là là, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita, mon Dieu. Allô? Allô? Allô, ma coach? Oui, va diminuer ma voix. J'ai diminué ma voix, ma coach. D'accord, ma coach. Oui, faut parler ma chérie, parle. Coach, c'est pour poser question, coach. Faut parler, ma chérie. Faut diminuer ma voix. Hey, Seigneur. Coach, j'ai un problème, mon coach. Parle, ma chérie. Parle, s'il coach, te plaît. Je vis avec un homme. Ça fait 10 mois qu'on est ensemble, coach. Oui. Dans les 10 mois, là même, mougouli. Mais le gars, là même, coach, depuis qu'on est ensemble, même son ami intime, là, même ses proches, là, je n'ai jamais vu. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? 10 mois, d'accord? Ça fait 10 mois qu'on est ensemble, coach. Depuis là, même un de ses amis, je n'ai jamais vu. Mais mougouli, de toute façon, il n'aime même pas. J'avais mon bas ventre, là, coach. Entre-temps, il y a son cousin qui était venu à la maison pour le voir. Il m'a dit non. Mais quand vous devez vous voir là, vous voyez où? Allô, ma coach? Quand vous devez vous voir là, vous voyez où? C'était chez lui, on se voit. Je vais chez lui quand on se voit. D'accord. Son cousin maintenant devait venir le voir chez lui. Il me dit, moi je vais recevoir mon cousin, je vais t'appeler, ne viens pas, moi je vais t'appeler, tu vas le voir. Juste quand son cousin est parti, je ne l'ai jamais vu. Mais il me parle toujours, non, tu es la femme de ma vie, je vais t'épouser. Mais coach, jusqu'à maintenant, là, même un de ses amis, je n'ai jamais vu, coach.
Oui, bon, c'est quoi ton problème? C'est quoi ta question? Ma question, la même coach, je ne sais pas. Je dois mettre mon pied sur un caillou ou bien je n'ai qu'à rester avec lui, coach. Bon, ça fait 10 mois que vous êtes ensemble. Oui, ma coach. Il ne veut pas te présenter à ses proches. Oui. Quand tu es chez lui à la maison, qu'il y a un proche qui doit venir, il te dit de prendre de t'habiller pour rentrer chez toi. Je ne suis pas là. Il me dit, tu n'as qu'à rester d'abord. Moi, je vais t'appeler, tu viendras, mais je ne viens pas. Il faut que son cousin parte pour que je vienne. Donc, je ne D'accord. trouve même pas son proche à la maison. D'accord. Donc, ma chérie, c'est quelqu'un qui ne veut pas que ses proches te voient. C'est que c'est quelqu'un qui n'est pas encore amoureux. Tu comprends? Il n'est pas encore amoureux. C'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé au stade où il y a l'amour vraiment, où il veut que ses proches te connaissent. Donc, tu me poses la question de savoir si tu dois rester avec lui ou tu dois avoir un petit caillou. Moi, ce que je te conseille, c'est de rester avec lui parce que de toute façon, tu ne peux pas couper comme ça parce que c'est quelqu'un pour qui tu ressens quelque chose de fort. Donc, reste avec lui et trouve-toi un caillou. Parce que la relation même qui est là, la façon c'est en train de se passer là, c'est pas bon. D'accord, ma Ça sent pas bon, c'est mauvais signe. D'accord, ma coach. Oui, bisous ma chérie. Oui. Allô? Oui, allô, coach. Oui, ça vous pose une question? Oui, c'est pour poser question. Oui, faut mettre du volume dans ta voix, ma chérie. Parle. D'accord, ok, merci. D'abord, je te remercie pour tout parce que depuis longtemps, je cherche à te parler, mais j'ai pas la chance. Oui. Oui, en fait, moi, quand j'avais 20 ans, j'avais eu un enfant avec un homme et puis il m'a abandonné. Oui. Voilà, maintenant, depuis lors, voilà, mes parents aussi m'ont aidé jusqu'à ce que j'ai accouché. Donc, après, voilà, j'avais la phobie des hommes. J'ai accouché en 2011. Donc, depuis lors, j'ai pas eu de copains. Maintenant, en 2014, il y a un homme. On était étudiant parce qu'après moi j'ai continué les études jusqu'à ce que j'ai eu mon bac. Donc quand je suis arrivée à l'université, j'ai rencontré là-bas un gars depuis 2014. Voilà, il me faisait la coupe, je n'acceptais pas. Maintenant, c'est cette année encore qu'on s'est vu et voilà, j'ai accepté d'être avec lui. Maintenant, le problème avec lui, entre-temps, il était avec une femme qui voulait marier. Après, voilà, la femme l'a trahi, il faisait tout parce qu'il me disait, voilà. Ma chérie, il faut passer à l'essentiel, s'il te plaît. Il faut laisser les détails. Oui. Oui, maintenant, en fait, voilà, puisque la femme l'a trahi après, donc ce qui fait que j'ai un problème, c'est comme s'il ne croit pas aux femmes. Je comprends parce que moi aussi, j'ai vécu les mêmes expériences avec des hommes. Oui, maintenant, ma question elle est que, parce que chaque fois que je parle avec lui, je vois qu'il me dit oui, tu me dis ça, on m'a dit ça, mon ex m'a dit ça, donc je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais essayer pour vous qu'il puisse quand même se focaliser sur notre relation pour oublier ce que son ex lui a fait. Parce que je vois toujours, il a toujours mal, même quand on discute, il m'a dit oui, ça, j'ai entendu ça, je ne sais pas. Donc c'est ça un problème pour moi, je ne sais pas comment je vais essayer de faire pour qu'il puisse oublier ce que son ex lui a fait. Parce que je vois, il a toujours la rancune de ce qu'il lui a fait. Ok ma chérie. Donc ça veut dire que tu es avec un homme aujourd'hui qui n'a pas encore fait le deuil de son ex, de sa relation précédente. Voilà, il a encore mal. Donc ça fait qu'à chaque fois que vous êtes ensemble, quand tu lui dis quelque chose, il te dit on me l'a déjà dit. Quand tu fais quelque chose, il dit on me l'a déjà fait. Parce que il n'a pas encore fait le deuil de sa relation précédente. Ça veut dire que son ex, il l'aime encore. Tu comprends? Il aime encore son ex. Donc, il n'arrive pas à oublier son ex. Il n'arrive pas à faire le deuil de sa relation précédente. Toi, en fait, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire pour qu'il puisse oublier son ex. Pour qu'il puisse faire le deuil de son ex. Ce que tu vas faire, comme il est tout le temps en train de te ramener son passé, de te ramener sa relation passée, de te parler de son ex. Toi, il faut lui dire que, il faut simplement lui dire que tu ne le sens pas prêt. Voilà, il faut lui dire que tu ne le sens pas prêt pour commencer une relation. Et qu'il a besoin de temps pour faire le deuil de sa relation précédente, pour faire le deuil de son ex. Quand il va faire le deuil de son ex, qu'il va se sentir prêt à être dans une relation en ce moment-là, il pourra revenir vers toi. Mais pour le moment, l'attitude qu'il a, il a l'attitude d'un homme qui n'a pas encore oublié son ex. D'un homme qui n'a pas encore fait le deuil de son ex, d'un homme qui aime encore son ex. Tu as compris, ma chérie? Oui, j'ai Oui, compris. oui, Coach. oui. Merci beaucoup. Derrière, ma chérie, oui. Mes amours, attendez. Oh là 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 là, le téléphone crépite, ça crépite.
Ça crépite et ça crépita, mes amours. Ouh, accident d'appel. Accident d'appel, mes amours. Oh, c'est quoi ça? Je n'arrive même pas à prendre un appel. Mes amours. Mes amours. Mes amours. Je suis habillée par Divine Style. Attendez, je vous montre la tenue. La magnifique tenue. Je ne sais pas, les gens ont tellement signalé direct là. C'est, l'image est noire comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Attendez, je vais voir ce que je peux faire. Voilà, je vais voir ce que je peux faire. Mes amours, mettez beaucoup de cœur. Ils signalent trop le direct là. L'image est noire aujourd'hui là. Mes amours, regardez la robe. Regardez la majestueuse robe. C'est de chez Divine Style. Regardez. Et en plus, c'est assorti avec la veste. C'est assorti avec la veste, mes amours. Attendez, je vous montre bien. C'est assorti avec la veste. Regardez la veste. Comme il fait chaud en ce moment. Donc, je n'ai pas mis la veste. Regardez la veste. C'est avec la veste. Divine Style. La marque de caviar. La marque de champagne. Oui, c'est quoi ça y est? Donc, mes chéris, c'est avec la robe. C'est la veste avec la robe, mes amours. Quand vous allez commander, vous commandez avec la veste. Comme ça, ça vous fait un deux temps. C'est-à-dire que vous pouvez porter la robe comme ça. Ou porter la... Ça vous fait deux tenues, quoi, en fait. Voilà, mes amours. Divine Style. Elle est basée en Côte d'Ivoire. Mais elle livre partout. Elle livre partout dans le monde entier. Partout dans le monde entier, elle fait la livraison. Elle est basée en Côte d'Ivoire, Abidjan. Mais, quelle que soit votre situation géographique, quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, elle peut vous faire la livraison par DHL. C'est très rapide. Donc, je vous donne le site et les différents numéros, mes amours. Vous, le site, c'est www.divinestyleshop.net. Pour contacter son service client, vous faites le 00-225-07-09-03-05-15 ou le 00-225-01-41-88-30-44, mes amours. J'ai épinglé, j'ai mis son numéro, tout. J'ai épinglé son lien, tout. J'ai épinglé, il est même épinglé là. Vous cliquez dessus, vous allez sur le site où vous la contactez, vous contactez son service clientèle et vous posez les questions que vous voulez. Elle va vous faire la livraison, mes amours. C'est très important. Allô? Allô? Oui, il faut diminuer ma voix, ma chérie. Diminuer ma voix. Oui, allô? Oui, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok, il faut parler, ma chérie. Alors, je vais être brève. Hein. Ah oui, ça sera plus très important pour moi, oui. Je sais, coach mondial. Mm-hmm. Alors, je suis avec un gars, ça fait des années, on est ensemble depuis 10 ans. Oui. On a des enfants ensemble. Mm-hmm. On a commencé, bon, il n'avait pas grand-chose. Mm-hmm. Aujourd'hui, il a une petite situation. Mm-hmm. Et il y a une fille, il a une go qui... Ma chérie, mets du volume dans la voix, s'il te plaît. Il y a une go qui travaille pour lui, oui. Qui lui fait comprendre que le fait qu'il soit marié, ce n'est pas un problème, mm-hmm. qu'elle, elle peut rentrer dans sa vie, quoi. Mm-hmm. Ce que j'aimerais savoir, ma question... Elle a mais le, c'est ton mari ou bien c'est ton copain? Mon mari. D'accord. Voilà. Oui. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Comme aujourd'hui, il est fructueux. Mm-hmm. Est-ce qu'il faut que je me batte bec et ongles ou est-ce qu'il faut que je le laisse prendre sa propre décision? Alors, comment toi, tu as su qu'il sort avec sa collègue et sa collègue lui a dit que ça ne la dérange pas qu'il soit marié? J'ai surpris des messages, donc je lui ai posé la question. Tu as surpris les messages comment? Tu es rentré dans son téléphone, c'est ça? Voilà, mais c'était pas des messages incriminants, hein. C'était des messages où il parlait normalement, mais lui, il m'a avoué qu'elle était intéressée clairement. Mm-hmm. Elle était intéressée, elle lui a dit clairement qu'elle était prête même à rester dans l'ombre, voilà. Il a avoué, comme il était pris dans la main dans le sac, il a avoué. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que je dois le laisser prendre sa décision lui-même, sans lui imposer, ou est-ce que je dois me battre faire pas là, ou je sais pas, est-ce que je dois me battre? Ma chérie. Oui, ma coach. Oui, c'est pas à toi de te battre.
D'accord. Avec la fille, c'est pas à toi d'appeler la fille pour la menacer ou pour lui dire que c'est un homme marié. Elle sait déjà. Une femme même qui dit à l'homme, je sais que tu es marié, ça me dérange pas de rester dans l'ombre, ça me dérange pas de sortir avec toi en cachette. Cette femme-là, quand toi, la femme, l'épouse, tu vas l'appeler là, tu vas lui dire quoi qui va l'effrayer? En tout cas. Tu vas lui dire quoi qui va l'empêcher de continuer la relation? Donc, dans cette relation-là, c'est ton mari qui doit soit partir de la relation ou soit rester avec la nana. Toi, tu peux rien faire. D'accord. Voilà, parce que c'est un homme qui est fructueux. Et moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, quand tu as un mari fructueux, il faut avoir gros cœur. Voilà. Parce que mari même qui est fructueux, là, souvent même, là, il ne drague pas. C'est femme même qui vient le draguer. Parce que femme aime bonheur. Mm-hmm. Tu comprends? Donc, ton mari aujourd'hui, quand vous étiez ensemble, qui n'était pas fructueux là, il n'y avait pas tout ça là à côté de lui. Parce que femme, elle n'aime pas même problème. Il n'y avait personne. Oui, mais il ne peut pas avoir... Mari même qui n'a rien, qui va aller le chercher? Qui va... C'est-à-dire que femme, quand un homme même qui n'a rien, on ne le cherche pas. Mais c'est quand garçon est fructueux là, mm-hmm. on le cherche. Même s'il veut une tête mariée, on le cherche parce qu'il est fructueux. Voilà, parce qu'il est fructueux. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que ton mari, comme il est fructueux, c'est pour ça que ça se passe. Toi, il faut fermer les yeux là-dessus. Toi, le plus important, tu as vu le message, ton mari sait que tu as vu. Il va tout faire pour te demander pardon, il va tout faire. S'il te respecte, il va s'arranger de telle sorte que tu ne revois plus ce genre de message. Il va s'arranger de telle sorte que tu ne puisses plus tomber sur ce genre de message et que tu n'aies plus de soupçons. Et puis toi, tu restes dans ton foyer, tu te concentres sur ton foyer, ma chérie. Il ne faut pas t'occuper de ça, hein. Les filles qui sont dehors, là, elles sont tranchantes, hein. Elles-mêmes, où elles sont là, même elles attendent même que tu les appelles. La fille même là, elle attend que tu l'appelles. Le jour où tu vas l'appeler là, c'est que tu lui as dit, maman, maintenant tu es ma deuxième, tu es ma co-épouse. Donc, tcholeka, on va jouer au rôle dans ce foyer là. C'est ce qu'elle attend. Elle attend que tu l'appelles. Si tu as fait erreur, ma chérie, ton mariage là, elle va déstabiliser ça. Faut l'ignorer. D'accord. Faut l'ignorer, ma chérie, toi aussi. Tu es dans le royaume, tu t'occupes de ce qui se passe dehors. Faut profiter du royaume, faut bouffer de ce qui est dans le royaume, ma chérie. Faut laisser dehors. Ça, tout ce qui se passe dehors, c'est balle poussière. Tu as compris, ma chérie? J'ai compris. Oui, courage, ma chérie. Merci beaucoup. Oui, les hommes fructueux, c'est comme ça. Hein? Les hommes fructueux, c'est comme ça. C'est-à-dire que souvent même, ils ont des à côté cro là, les bons petits là. Eux-mêmes là, c'est eux-mêmes qui viennent dire, vieux père, il y a une petite là, vieux père, si tu veux là, moi je t'emmène, il fait livraison. Tu as fait comment? Il est fructueux. Allô? Oui, allô? Oui, ça peut poser question? Mais c'est toujours moi. Écoute. Ah, attends, je n'ai pas coupé. Attends. Oui, je n'ai pas coupé, mes amours. Marie qui n'a rien là. Ton cœur est tranquille, mais il n'a qu'à commencer à avoir l'argent, ça devient un problème. Parce que femme même là, elle aime quand il y a abeilles autour de choses, du miel comme ça. Quand il y a le miel quelque part là, les abeilles sont là, vont. Femme est comme ça. Hein. Sinon toi-même, miel même, il n'y a pas quelque chose, mais il n'y a même pas miel. Qui va aller là-bas? On n'a qu'à se dire la vérité, mon cher. Toi, tu es dans ton foyer, fructueux. Toi, tu vas t'occuper de ce qui se passe dehors. Allô? Ma chérie, va diminuer ma voix. Diminuer ma voix. Allô, bonjour, coach Amon. Va diminuer ma voix, ma chérie. Ton don, j'ai diminué. Ok, faut même arrêter ma voix. Faut parler, ma chérie. Bonjour, coach Amon. Oui. La coach Choco. La coach Champagne. La coach KLMP. Oui. La coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Oui. Avec elle, tu apprends. Mm-hmm. Avec elle, tu ne planes pas. Oui. Coach. Oui, ma chérie, ma chérie. Oui, ma chérie, ma chérie. Faut poser, pose la question, pose. Oui. Bonjour, coach. Je t'appelle avec ma maman. C'est ma maman qui voudrait t'expliquer, enfin, te témoigner quelque chose. Bon, en tout cas, non, c'est pas témoignage, hein. Ça, c'est pour poser question. Oui, c'est pour poser une question. Oh, ok. Donc, faut la passer vite fait. On a qu'à faire vite fait, oui. D'accord. Mm. Bonjour, ma coach. Bonjour, ma chérie. En tout cas, je vous aime beaucoup, je vous écoute beaucoup parce que vraiment, j'étais une passionnée. Oui. Je suis allée de relation en relation, ça n'a pas marché, j'étais mariée, c'était compliqué. Mais depuis que je vous écoute, vraiment maintenant, ça va, j'arrive à prendre des décisions, vraiment, ça va. J'étais avec quelqu'un, c'était un homme marié, il était en couple, mais pas marié. Et toutefois, on est resté une année ensemble. Et toutefois, il me dit
ça n'allait pas dans son couple, ça n'allait pas, ça n'allait pas. Et mm-hmm. j'étais là, je l'observais. Mm-hmm. Et là, j'ai changé de ville. Parce qu'avant, j'étais sur Bordeaux, j'ai changé de ville. Mm-hmm. Et arrivé dans cette ville, parce que lui, il était venu travailler. Lui, il était de Toulouse. Mm-hmm. Et il était venu travailler sur Bordeaux. Mm-hmm. Et moi, maintenant... comme il était venu travailler, donc il disait sûrement à son épouse qu'il était venu travailler parce que je l'ai connu là-bas. Il est resté un moment et après, moi, j'ai maintenant déménagé. Et depuis un moment, je me suis rendu compte que c'est comme s'il m'utilisait seulement, qu'il voulait encore revenir encore ici, là où je suis, pour venir travailler. Je lui ai dit non, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Mm-hmm. Ou tu es avec moi, ou tu es avec elle. Mm-hmm. Si ça continue comme ça, je préfère qu'on arrête. Mm-hmm. Et depuis un moment, je l'appelle plus, je lui ai expliqué que ça pouvait plus tenir comme ça parce que moi j'aurai 43 ans et j'ai besoin de me refaire encore, que je trouve quelqu'un avec qui je vais continuer ma vie. Mm-hmm. Et comme ça je ne peux pas. Et lui maintenant il est dans son coin, moi aussi je suis dans mon coin. Et c'est quoi ta question, ma chérie? Donc, c'était par rapport à ça. Ma chérie, c'est quoi ta question? Oui. Non, c'était juste pour vous remercier parce que j'ai quand même ouvert les yeux. Ah, d'accord. Ben, aujourd'hui, c'est... Oui, aujourd'hui, c'est pour poser question, c'est pas pour faire témoignage. D'accord. Merci beaucoup, ma caviar. Merci. D'accord. Oui, merci pour ton témoignage. Oui. Mm-hmm. Allô? Allô, oui, coach. Oui, c'est pour poser question? C'est pour poser question. Ok, parle, ma chérie, parle. Alors, je tenais à rebondir sur le témoignage de notre caviar, notre sœur, parce que c'est à mon chic, vous êtes la reine-mère des caviars. Oui. Nous sommes des frères et sœurs. Donc, son témoignage du mercredi dernier. Oui, mais ma chérie, là, c'est pour poser question, hein, c'est pas pour faire témoignage. Oui, mais je tenais à rebondir parce que je n'avais pas pu vous joindre ce jour. Non. Là, il faut attendre le jour. Je vais faire témoignage. Vous allez appeler. Aujourd'hui, c'est pour poser question. Ok, très bien. Oui. Ok, très bien. Oui. Bon, je rappellerai plus tard. C'est d'accord. Allô? 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 Oui, allô? Oui, c'est pour poser question? Non, ça là, je peux pas. La voix là, c'est pas possible. Allô? Allô, coach? Oui, ça vous pose une question? Oui, coach. Oui, il faut parler, ma chérie. Oui, c'est pour vous dire, en fait, j'ai rencontré, j'ai fait connaissance à un homme sur Facebook. Oui. Et après, je suis partie en Côte d'Ivoire, on s'est mariés. Oui, mais tu es partie en Côte d'Ivoire combien de temps après? Au bout de 3 fois. Non, c'est-à-dire que quand tu as connu le gars sur Internet, tu es allé combien de mois après en Côte d'Ivoire? Au bout de 3 mois. Au bout de 3 mois, donc tu as été 3 fois, la troisième fois tu l'as marié. Oui, troisième fois on s'est marié. Oui. Et après on est venus tous les deux en France. Oui. Dès qu'on a franchi la frontière de la Côte d'Ivoire, oui. Monsieur, il a commencé à se transformer, il s'est métamorphosé. Mm-hmm. Et après, on est arrivé en France, au sud de la France, il faisait draguer que mes copines, coucher partout avec mes copines, tout ça, il m'a causé beaucoup de problèmes avec mes copines. Mm-hmm. Hein? Et après, il a eu ses papiers, il a eu ses papiers de 2 ans. Oui. 2 ans, et après, en fait, là, comme il m'a fait beaucoup tromperie, du coup, j'ai demandé le divorce. Oui. Alors maintenant, là, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. On n'est plus ensemble, on est séparés, mm-hmm. mais on est en instance de divorce. Oui. Et maintenant, il me demande pour que je puisse lui donner mes papiers pour qu'il puisse renouveler. Je ne sais pas quoi faire, coach. Bon. Ma chérie. Bon, c'est bien sûr, c'est déjà fait, c'est déjà passé. Là, il est venu tout. Maintenant, il est venu, même pas quelques jours, il t'a montré le vrai visage, ton vrai visage, son vrai visage. Ah, oui, il est sorti avec toutes tes copines. Oui, oui, oui. Il a couché avec toutes tes copines. Et donc, tu as demandé le divorce. Il a couché avec presque toutes mes copines. Mm-hmm.
Ah, ma chérie, ah, c'est les retombées. Parce que tu connais quelqu'un sur Facebook, 3 mois après, tu t'en vas, tu le rejoins. Hein? Quelque, même pas 1 an, tu t'en vas le marier. Hein? Ma chérie, tu avais quoi comme ça? Hein? Pourquoi vous faites des choses comme ça? J'étais amoureuse, quoi. J'étais amoureuse et vraiment là, je suis complètement perdue. En plus, c'est une personne qui est dans le showbiz ivoirien. Il est dans le showbiz? Oui. Pardon, faut pas dire ton nom. Faut pas dire son nom. Je veux pas avoir de problème parce que la dernière fois, on a fait témoignage là. Les camions appelés, elles ont dit des noms là. Il y a des virgules, des points à la ligne qui m'ont fait chier dans mon inbox. Donc, faut pas dire de nom, ma chérie. Faut parler, oui. C'est un artiste, oui. Alors maintenant, là, il devient tout doux, pour que je puisse lui donner mon bulletin de salaire, pour que je puisse lui donner les papiers, pour qu'il puisse aller renouveler. Alors là, maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire, mais on n'est plus ensemble. Il ne sait pas où j'habite, tout ça, on n'est plus ensemble. Mais on attend uniquement le divorce. Donc lui, il veut que toi, tu lui donnes tes papiers, il va aller renouveler ses papiers. Oui. Ma chérie, tu sais qu'on vit dans une jungle. C'est un réalisateur. C'est un réalisateur. Oui. Tu as vu les choses comme ça? Oui. Et puis, il réalise toujours en France, ici, mais sa réalisation est restée en Côte d'Ivoire. Oui, en Côte d'Ivoire, en France. Il fait réalisation en Côte d'Ivoire et puis en France. Oui. C'est le côté showbiz qui t'a attiré, c'est ça? Je ne sais pas, mais j'étais amoureuse, quoi. Oui. Toi, là-même, je sens que tu as été victime. Une fois, tu vas être victime encore une deuxième fois. Parce que ta voix même ressemble même à la passion. Ta voix ressemble à la passion. Ah, bon? Oui. Comment ça? Bon, toi, mais tu n'entends pas ta voix? Je veux vous appeler en inbox. En tout cas, si tu as eu le courage d'aller chercher quelqu'un en Côte d'Ivoire, là, c'est que tu peux prendre séance de coaching. Ça, là, ça, toi-même, tu sais que ça va se faire. C'est le déroulement qui est là. Mais je dis, lui-même, toi-même, là-même, c'est-à-dire que où tu es là, tu sais qu'on vit dans une jungle. Tu le sais ou tu ne le sais pas? Oui. Voilà. Oui, donc, tu commences à comprendre. Oui, ma chérie, tu commences à comprendre. Bon, il n'est jamais trop tard. Mais de toute façon, j'entends ta voix là. Si je ne te coche pas rapidement, tu vas encore être victime une deuxième fois parce que la passion est trop forte dans ton sang. Oui. Donc, on est dans une jungle. Tu comprends, ma chérie? Donc, on est dans une jungle. Quand quelqu'un te gifle sur la joue gauche, tu ne lui donnes pas ta joue droite. Il t'a giflé, il t'a engagé sur sa joue gauche. Ta joue gauche. Donc, ta joue droite, là, tu n'as pas lui donné pour qu'il t'engage. Donc, son renouvellement qu'il veut faire, là, comme il est bandant, comme son bas ventre est solide, il est bandant, là, toutes les filles, toutes tes copines qu'il a mougou, toutes les filles qu'il est en train de mougouler, n'a qu'à aller les voir. Elles vont lui donner les papiers. Sinon toi, tes clats là, tu ne donnes plus à quelqu'un. Ma chérie, faut diminuer ma voix, pardon. Ok, au revoir, ma chérie. Faut prendre séance de coaching. D'accord, oui, je vais prendre. Oui. Je vais prendre coach. Oui, tu es trop passionnée, ma chérie. Le taux de la passion est trop élevé dans ton corps. Allô? Allô? Oui, ça peut poser question? Oui, ça peut poser question. Oui, mais cette voix-là, je ne pourrais pas. Je vais prendre un autre appel. Je vais parler sur ma cause. Je vais ouvrir mon causier. Ok, faut ouvrir ton causier. Vous appelez même, vous faites en direct. Vous voulez faire malin. Parlez fort, vous faites malin. Donc, je disais, moi, j'étais avec un gars. Oui. Il avait 25 ans. Moi, j'ai 19 ans. Et le gars, il m'a dit que il pouvait plus continuer la relation parce que on n'a pas la même culture et tout ça. Oui. Et j'aimerais savoir, est-ce que je dois le récupérer ou pas? Bon, un homme qui te dit, je ne veux plus qu'on soit ensemble parce qu'on n'est pas de la même culture, toi, tu demandes, est-ce que tu dois encore le récupérer? Bon, vous savez que votre relation va être basée sur quoi? Bon, tu as quel âge, ma chérie? 19. Ah, tu as 19 ans, donc ça se comprend, tu es très jeune. Tu es très jeune, c'est de ton âge. C'est de ton âge, tu l'aimes? Ça faisait 6 mois qu'on avait commencé la relation et il m'a dit que voilà. Parce que... Je demande, est-ce que tu l'aimes? Il m'a dit que...
Pardon? Tu l'aimes toujours? Enfin, j'étais attachée, quoi. Pas amoureuse, mais j'étais attachée. Ok, ma chérie. Donc, faut plus reprendre avec lui. Faut le laisser. Parce que, après, même où tu n'es pas amoureux, tu es juste attachée. On te dit, non, on n'a pas la même culture. On n'a pas la même vision. On n'a pas la même façon de voir les choses. Toi, tu as fait quoi dans ça, là? Faut le laisser partir. Tu as compris? D'accord, coach. Merci, oui. Coach. Oui, tu es trop jeune. Je comprends. Tu es naïve. Oui. Allô? Allô? Oui, allô? Ça vous pose une question? Oui, coach, ça vous pose une question. Non, façon ta voix est là. Je prends un autre appel, ma chérie. Non, je parle pas, je parle pas. Non, va parler, ma chérie. Bon, coach, moi, en fait, je suis avec mon copain. Ça fait un an, bientôt un an et demi. On est tous les deux étudiants en France. Et en fait, je réfléchis à si je vais habiter avec lui, prendre ensemble un appartement. Parce que tous les deux... On doit libérer nos appartements en fin d'année, là. Mm-hmm. Et on s'est dit que peut-être si on vit ensemble, on va t'aider pour les charges, pour le loyer. Mais après, je sais pas, moi, j'hésite un peu. Ma chérie, c'est ma question. Ma chérie, si tu veux aller habiter avec ton chéri, vous êtes étudiant, tu veux aller faire une vie d'adulte, là. Ça, là, aller vivre avec un garçon, ça, c'est vie d'adulte, hein. Ça, c'est une vie d'adulte, oui. Ça, c'est des responsabilités. Donc, si vous voulez habiter ensemble parce que vous n'avez pas les moyens de payer chacun un loyer, il n'y a pas de souci. Ici, on est en Europe, il y a la réalité d'ici. Il y a ce que je vais te dire, mais si tu ne peux pas t'en sortir, moi, je ne viendrai pas t'aider. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, si vous voulez habiter ensemble parce que vous n'avez pas les moyens de payer individuellement un loyer, vous pouvez vous mettre ensemble. Sinon, ma chérie, si toi, tu peux payer ton loyer, si tu peux prendre une petite chambre ou un petit studio que tu penses que tu peux payer, il faut rester seul chez toi. Et puis vous deux, là, vous allez sortir ensemble, copinage. Faut pas aller vivre avec lui, hein. Tu vas regretter, ma chérie. D'accord. À ton âge, là, il faut être concentré pour étudier. Il faut pas aller se mettre dans le foyer. Ça va oui. Trop te fatiguer. Mais coach, actuellement, on est dans une résidence et puis sa chambre est à côté de ma chambre. Et c'est comme si tous les jours, il vient dans ma chambre. C'est comme si on habitait un peu ensemble, en fait. C'est bon, pour ça. Donc, tu veux me dire quoi? Que vous êtes déjà ensemble, donc habiter ensemble, là, c'est rien. C'est ça? Allô? Ok, ma chérie, ok, il n'y a pas de souci. Donc, il faut faire comme je t'ai dit là. Tu as compris? D'accord. Oui. Allô? Oui, bonjour, coach. Oui, ça peut poser question? Oui, tu peux poser question, ma coach. Non, cette voix-là, je ne peux pas. Allô? 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 Oui, ça peut poser question? Ok, faut parler. Alors, ma coach, moi, je suis avec un homme de 45 ans. Et en ce moment, je suis enceinte. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il me... Toi, tu as quel âge? Moi, j'ai 25 ans. Ok. D'accord. Le problème, c'est mon problème à moi, parce que moi, je trouve que c'est un problème particulièrement pour moi. C'est qu'il me dit, cet enfant, on l'a pas calculé. Il est arrivé comme ça. Et lui, à chaque fois, il me dit qu'il n'est pas prêt à avoir un enfant, il veut pas d'enfant. Et j'ai l'impression que je suis en train de forcer. Et là, aujourd'hui, il m'a carrément dit, parce que c'est pas aujourd'hui, ça fait quelques jours qu'il insiste, il m'a déjà dit que sa famille lui a dit qu'il doit être se marier à la polygamie. Et là, il m'a dit tout de suite, tout à l'heure, que lui, il cherche une femme de plus âgée, il va se marier avec une femme plus âgée parce qu'il veut pas se marier avec une petite fille. Mm-hmm. C'est quoi ta question, ma chérie? Alors, ma question est de savoir qu'est-ce que je devrais faire après tous les propos, après ce genre de propos, en fait, coach. Mm-hmm. Bah, qu'est-ce que tu dois faire déjà? Qu'est-ce que ça signifie? Ben, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est un homme qui est polygame. Ça signifie que c'est un homme qui te trouve trop jeune pour être avec toi. Donc, c'est un homme qui est polygame. Il sait que tu es très jeune et tu ne pourras pas supporter. Donc, il n'a pas envie de rester avec toi. Déjà, il te dit la grossesse, il n'en veut pas. Tu es enceinte de combien de mois? De 2 mois. De 2 mois. Mais là, déjà, il dit la grossesse... Une petite parenthèse, c'est que j'ai déjà fait une IVG 2 fois. Mmh. Et la deuxième fois, le médecin m'a dit que je pourrais ne plus tomber enceinte. Mmh. Alors moi, j'ai peur d'aller refaire une IVG et de ne pas tomber enceinte à la longue. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, ce que tu vas faire, il faut t'occuper de ta grossesse toute seule. Parce que déjà, c'est un homme
il a 45 ans, c'est vrai, mais déjà, il dit, il veut pas de la grossesse. De deux, il te dit, oui, tu es trop jeune. Moi, je suis un polygame. Je veux une femme un peu plus âgée de ma promotion, tout. Ça veut dire que c'est un homme qui est irresponsable. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, un homme, là, c'est pas l'âge. Un homme, c'est dans les attitudes. Un homme responsable, c'est dans les attitudes, dans les actes. Mais il n'assume pas. C'est un homme qui s'assume pas, c'est un homme qui n'assume pas. C'est un homme qui ne sait pas ce qu'il veut. Donc aujourd'hui, toi-même, tu sais que ta relation, c'est une relation qui a échoué d'avance. Et comme tu es enceinte et que le médecin t'a dit que tu ne peux plus enlever parce que tu risques de ne plus tomber enceinte, tu gardes ta grossesse, tu te concentres sur toi-même. Quand tu vas finir d'accoucher, tu vas reprendre ta vie, tu vas continuer ta vie. Sinon, relation, ça là, c'est déjà mort. D'accord, coach. Donc, du coup, je dois mettre mon pied sur un caillou. Mais tu es enceinte là, tu vas mettre quel pied sur caillou? Mais coach, si lui, il commence à faire ce genre de truc, ça veut dire que pendant ma grossesse, je serai assez stressée. S'il faut rester avec lui. Non, mais je ne t'ai pas dit de rester avec lui. Après, moi, je suis une femme, ça fait mal. Il y a des paroles qui font assez mal. Ma chérie, on ne se comprend pas. Je ne t'ai pas dit de rester avec lui. De toute façon, cette relation, même, elle est morte. La relation avec l'homme de 45 ans, c'est mort. Il ne veut plus, c'est mort. Ça ne va pas évoluer. Moi, je te dis simplement, il faut te concentrer sur ta grossesse. Quand tu vas finir d'accoucher, tu vas continuer ta vie. Tu dis, est-ce que tu dois mettre ton pied sur un caillou? J'ai dit, bon, si tu mets ton pied sur un caillou, tu es déjà enceinte, comment tu vas gérer? Si tu peux gérer le caillou sans mougou, juste à ce que tu accouches. Non, écoute, moi je peux gérer sans lui parce que le problème majeur c'est que lui il m'a demandé une fois si je voulais me marier, je lui ai dit que j'étais pas prête parce que moi j'ai mes projets et qu'il connaît très bien. Je lui ai dit que si je faille que je me marie et que je pense à ça, c'est quand j'aurai 30 ans. Maintenant, j'ai beaucoup de projets que je suis en train de faire. Je ne me vois pas en train de... Ma chérie, toi, moi, on parle le même langage, s'il te plaît. Je t'ai dit, le gars, c'est un irresponsable. C'est un homme qui ne veut pas de la grossesse. C'est un homme qui ne veut pas être avec toi. C'est un homme qui est polygame. Vous n'avez pas la même vision. Tu comprends? Et c'est quelqu'un qui n'est pas amoureux de toi. Comme tu es déjà enceinte, il faut garder la grossesse, il faut te concentrer sur ta grossesse. Quand tu auras fini d'accoucher, tu vas continuer ta vie. Maintenant, tu m'as dit, est-ce que tu peux mettre ton pied sur un caillou? J'ai dit, si tu penses que tu peux mettre ton pied sur un caillou et que le caillou il n'aura pas de rapport, il n'y a pas de souci, tu mets ton pied sur un caillou. Quand tu vas finir d'accoucher, tu vas être avec ton caillou. C'est tout ce que je t'ai dit, ma chérie. Toi, moi, on parle le même langage. D'accord? Oui, ma coach. Oui, merci, ma chérie. Merci. Oui. Au revoir. Au revoir, ma chérie. Allô? 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 Oh là 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 là, le téléphone crépite et ça crépita. Non, c'est dit que le direct d'aujourd'hui, là, il y a beaucoup de passionnés. Il y a beaucoup de donneurs aujourd'hui. Là. Les questions d'aujourd'hui, vraiment. Il y a beaucoup de questions. Woloso, Azubagei, Wouwa. Woloso, c'est pas Zanyi. Woloso, c'est pas Zanyi. Quand toi-même, tu expliques le problème que tu me dis, est-ce que tu n'as pas ta réponse? Mais bon, qu'est-ce qu'on va faire? Je suis obligé d'écouter. Il y a trop de questions, Woloso, aujourd'hui. Trop de questions de Donna, aujourd'hui. En tout cas, il y a des jours comme ça. Il y a des jours comme ça. Oui, on fait avec. On s'adapte. Oui. Oh là 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 là, mes amours, mes chéris, mes caviars. Est-ce que vous avez votre collagène? Est-ce que vous avez votre collagène, mes amours? Est-ce que vous avez acheté votre collagène, mes caviars, mes champagnes? Je vous ai déjà parlé du produit collagène. Il faut mettre simplement dans la nourriture ou dans du thé ou dans du jus. Et tu bois, ma chérie, pour avoir une belle peau, pour avoir... C'est-à-dire que quand ta peau est ploco, pour bien raffermir ta peau, le ventre, parce que quand on finit d'accoucher là, souvent le ventre est un peu froissé, ça va détendre le ventre, les fesses un peu froissées, ça va détendre, ça va rendre ta peau ferme, ça va rendre ta peau caviar. Oui, ça c'est le collagène. Oui, la dernière fois j'ai dit la collagène, plus jamais. Le collagène, merci de rentrer en contact avec elle, avec la caviar. Je vous donne son site, je vous donne son site, mes amours. Le site, j'ai déjà épinglé. Attendez, je vois. Ok. Sa page, c'est Beautiful Link Headley
Ah, elle aussi, c'est quelque chose en anglais, elle allait écrire. Ça pour me donner palpitation. Oui, son site web, c'est... Oh là là, attendez, je vais voir. Je vais voir, mes amours. Ne vous inquiétez pas, je vous donne. Sinon, j'ai mis le site. J'ai épinglé, j'ai mis le site. J'ai mis toutes les informations sur le site. Si vous voulez la contacter via WhatsApp, pour poser des questions, on ne sait jamais. Vous pouvez la contacter au plus 1-514-502-3588. Elle est basée au Canada, mais elle livre partout dans le monde. Ne vous inquiétez pas, mes amours. Elle livre partout dans le monde. Et son site, attendez, je vous donne le site de la fille, là, c'est en anglais. En tout cas, le site, là, je ne peux pas dire. Je vous ai dit son numéro. Le site est épinglé, mes amours. Cliquez sur le site pour commander votre collagène. Cliquez, j'ai mis le lien tout. Parce que son lien là, c'est en anglais, je ne peux pas dire, mes amours. Oui, mes amours, merci. Merci d'avoir été nombreux. Merci d'avoir été très nombreux à suivre le direct. Oui, allô, c'est pour poser question. Allô, c'est pour poser question d'aujourd'hui là. Le Woloso de ça, le Azubagei de ça, le Wouwa de ça. Non, tu ne peux pas. Non, c'est pas possible. Aujourd'hui là, en tout cas, palpitation de ça. Donc, merci de commander votre collagène, mes amours. Commandez votre collagène pour votre bien-être. C'est très important. Moi, je dis tout. Je dis une femme, elle doit tout avoir. On est comme une sauce. Pour une sauce, là, pour qu'elle soit réussie, il faut mettre tous les ingrédients. Donc, achetez votre collagène que vous allez prendre tous les jours. Ça va vous rajeunir. Ça va raffermir votre peau. Ça va vous rendre bien. Rentrez en contact avec la dame pour commander votre collagène. Aujourd'hui, j'ai été habillée. Ou bien je suis habillée. Pareil, c'est toujours habillée. Elle est toujours sur moi. Et puis, on est toujours aujourd'hui. J'ai été habillée aujourd'hui. Par Divine Style, la majestueuse robe, la magnifique robe, c'est assorti avec la veste. Voilà, il y a la veste qu'on met dessus, mes amours. La veste qu'on met dessus. Si tu as envie de t'habiller en respo, responsable, tu mets la veste. Tu mets la veste. Si tu as envie d'être, classique et tout, tu retires la veste. Et tu restes dans la petite robe et tout, pour être classique et tout. Voilà, merci, c'est Divine Style, Divine Style. Je vous ai donné le site, tout est épinglé. Ah, bisous, merci mes amours. C'est la coach Amon Chic, c'est la coach Caviar, c'est la coach Champagne, c'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Quelle MP, pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, oh, elle n'est pas dans les ah, ah. Oui, c'est quoi ça? Ah, bisous, ciao, ciao, ciao.